Malheureusement, Thomas Markle va devoir s'y habituer. Maintenant que Meghan Markle est officiellement devenue princesse en épousant le prince Harry, sa famille est elle aussi sous le feu des projecteurs. Mais cela ne plaît vraiment pas à son papa. Alors que Thomas Markle a raté la noce après s'être fait opérer du cœur quelques jours auparavant, les paparazzi font la course pour avoir de ses nouvelles. Ce lundi 21 mai, le père de la duchesse de Sussex a été aperçu dans un Starbucks alors que la demi-sœur de Meghan Markle expliquait qu'il était toujours à l'hôpital. Mais Thomas Markle ne peut plus être continuellement pourchassé. Il a expliqué à TMZ que ses photos au café ont été prises juste après qu'un ami est venu le chercher dans une maison de repos. Selon lui, ils ont été suivis par un convoi de 5 voitures de paparazzi. Je n'ai jamais voulu cela, et mon ami non plus. Et les photographes qui nous ont suivis savaient qu'il y avait un enfant dans la voiture, s'agace Thomas Markle à TMZ. En tout état de cause, la santé de Thomas Markle a l'air de s'améliorer après son opération du cœur. Mais le père de la princesse saine veut d'avoir raté la cérémonie. Si est-il triste parce qu'il va toujours regretter de ne pas avoir pu marcher jusqu'à l'hôtel avec Meghan et va se sentir socialement honteux, injustement, vraiment, confie la demi-sœur de Meghan Markle au Sun. Point, il était heureux et fier. Il est très gentilhomme et chevaleresque. C'était un beau mariage.